prénom, le Vatican, s'il vous plaît. Le Vatican, c'est peut-être pas la Jean-Paul II. Oui, au pape. Ah, il faut que j'attende une seconde ou deux. Oh. C'est toi, Jean-Paul II. C'est toi, le pape. Comment c'est pas le pape? Qui est à l'appareil? Ah, c'est le soupape. C'est Monseigneur Clapet. Ah, mais très belle voix, elle est chaude. Vous t'êtes fait de l'amour à Paris. Je vais faire coter les valeurs morales. Téléphone de Beaubourg. Car nous, les Parisiens et les Français, nous sommes vraiment les plus forts. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons une raffinerie. Pour raffiner nos idées. Vous téléphone de Longchamp. Oui, parce que je fais du vélo. Je prends la Vélorussion. C'est lui. L'arnaque, la barbaque, la matraque. L'énergie, musculaire, l'énergie, la moins chère. C'est caca, la pollution. C'est caca. Alors, Mété, qu'est-ce que c'est? C'est un petit village à 4 km, 3 km d'Annecy. Nous étions 200 ou 300 habitants, maintenant ils sont 4, 5, 6 000. Parce que l'industrie s'est développée là-bas. Je ne me rappelle pas exactement, mais nous étions parmi les pauvres, parmi les très pauvres. Puisque ma cousine qui est toujours en vie, Lucienne, donc on parle dans le livre, Anne Gallois, elle, ses parents... Son père et sa mère, ils avaient une maison beaucoup plus propre que la nôtre, beaucoup plus bien organisée, tandis que nous vivions à quatre dans une pièce. La chambre était, il y avait mon père et ma mère, et moi avec mon frère, contre un mur humide. C'est pour ça que pendant plusieurs années, j'étais malingre. J'avais une poche d'eau sur le côté droit, et heureusement que un docteur m'avait recommandé d'aller, a recommandé à ma tante que j'allais à la montagne et faire prendre des bains de soleil. Parce que je grandissais pas. Puisqu'un jour, mon oncle, des Villars-sur-Thône, vient voir sa sœur à Annecy, puis me voit, puis me dit, il ne m'avait pas vu depuis un an ou deux, il a rapetissé. Ça fait bien. Là, ça dit de combien. D'abord, je ne comptais pas vivre. Ah non, moi je me disais, c'est fou, dans la tête d'un enfant de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, de dire... Tu vas vivre ou pas? J'avais obtenu le certificat d'études. Tu te posais la question à ce moment-là? Si jeune, tu te posais la question? Ah, je me posais la question de la vie et de la mort. C'est pour ça que je suis un miraculé. Mais je ne me rends pas compte que j'ai 77 ans. Pour gagner un peu d'argent après son travail de manœuvre à la fonderie de Cran, il était fossoyeur. Et un jour, il creusait une tombe au cimetière de Métay. Et c'était pas étayé, alors que c'était en pente, et la terre,
est arrivée, elle faillit être ensevelie complètement. Enfin, et mon frère était là. Et mon frère appelait. Et alors, il avait de la terre jusqu'au cou, je ne sais pas. Puis il est resté comme ça plusieurs minutes, je ne sais pas, une demi-heure. Alors, il a pris un coup de froid. Il est en sueur, il a pris un coup de froid terrible. Et ma mère est donc restée veuve avec deux enfants. Vous étiez deux enfants? Deux garçons. Deux garçons. Et vous étiez gentil ou... On était des garnements. On était terrible. Oui, parce que... J'avais une émission sur les fugueurs. Bien, avec mon frère, on a fugué. J'avais 8 ans, lui 10 ans. La nuit, on est parti. On voulait jouer, les Robins des Bois. Parce qu'on avait lu, on lisait le pied nickelé. Alors ça nous a marqué. Je vois maintenant le pouvoir que ça peut faire, les illustrer sur le cerveau des petits-enfants. C'était pas la misère, mais c'était pas l'abondance. C'est-à-dire, on mangeait juste pour pas crever de faim, quoi. Je portais les bouilles de lait à la fruitière, une bouille qui était aussi presque aussi haute que moi. Donc, on avait très peu d'argent. Et le peu qu'on avait, c'était quand même, on mangeait du pain. Le pain, elle faisait le pain, ma mère, pendant la guerre. Je me rappelle, elle faisait du pain. Et alors, une fois, à l'école, j'ai arraché des mains d'un copain un sandwich. Parce qu'il n'y a pas de raison que lui, moi, je ne mange pas. C'était par esprit de révolte ou parce que tu avais faim? Parce que j'avais faim. Et ma mère lisait le pèlerin, ça me revient à l'esprit. J'étais catholique. J'étais baptisé, je pouvais pas refuser de baptiser à l'âge de 2 jours. Et alors je me souviens, après, ça m'a marqué, c'est que je commençais à lire à 7 ans, je lisais assez correctement à 8 ans. Et le pèlerin écrivait, à la révolution d'octobre, hein, 17, les soviets, le fléau, le rouge qui arrive. Alors ils écrivaient là, et ce serait curieux de trouver la collection, que là-bas, les soviétiques, les bolcheviques, ils coupaient en morceaux les enfants et ils les salaient. Alors moi, je comprenais rien. Mais quand même, ça me paraissait un peu bizarre. Le soir, quand je suis sur la place, je peux rigoler les gamins en leur faisant de belles grimaces ou du guignol avec mes mains. C'est moi le fou, j'aime bien les fleurs, les yeux doux, la tête ailleurs. C'est moi le fou, pardonne-moi. Je suis né comme ça sans père ni mère. J'ai rien du tout, j'ai même pas de nom. Je ne travaille point, je ne sais rien faire. Je suis presque aussi bête qu'un mouton. Mais je peux même pas donner de la laine, je peux rien donner, j'ai rien du tout. Mais les gens me regardent ici tout de même, ils sont tout fiers d'avoir un fou. C'est moi le fou, j'aime bien les fleurs, les yeux doux, la tête ailleurs. C'est moi le fou, c'est pas mal. Le bonheur, c'est ce que c'est le bonheur. Il faut pas de tout pour faire au monde. Il faut du bonheur et rien d'autre, disait Paul Éluard. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. Ma poussière et ta poussière deviendront le gré des vents. Paul Fort, c'est des conneries, ça. C'est ma tante qui m'a pris en charge quand ma mère est morte. Puis elle a eu une drôle de façon d'annoncer la mort de ma mère. Elle me réveille un matin et dit, ta mère est morte. Ça surprend un peu. Alors donc, je ne pouvais pas, comme j'avais pas, elle ne me donnait pas un sou. Elle était marchande foraine, elle avait 2 enfants déjà. Alors là, je me dis, il y a une solution. Si tu veux de l'argent, travaille, je me suis dit. Alors j'ai vu l'annonce d'un destroyer de Savoisien. On demande à l'époque, marquer des jeunes, des enfants, 13, 14 à l'époque. Je me présente, 0,85 de l'heure. Et les ouvriers touchaient 2,20 francs. Et moi, au bout de quelques mois, j'étais chef d'équipe. Parce que j'étais plus dégourdi. Je suis resté un an et demi. Puis un jour, j'avais répondu au contremaître, il m'a viré. Et alors, maintenant... Et pourquoi tu lui avais répondu? Qu'est-ce que... Ah, parce qu'il m'avait peut-être fait des remarques qui ne me plaisaient pas. J'étais quand même déjà révolté. Je suis révolté de naissance. Car à l'âge de 7 ans, je travaillais. 8 ans. Voilà ce qu'on... Mon école. L'école. Il y a des écoles pour apprendre à conduire des bagnoles. Il n'y a pas d'école pour apprendre à bien se conduire dans la vie. Alors là, j'ai trouvé du boulot. Avant de partir dans la marine, comme ouvrier toujours ses manœuvres, au Laminor, c'était une fabrique de bijoux fantaisie. Alors là, c'était assez terrible. Il s'agissait de mettre, il y avait 3 gestes, c'était le robot. C'était un robot, tu mettais une pierre, un petit truc métal, avec une espèce, tu tapes, appuyais sur un truc, puis là, une masse écrasait ce,
ce petit truc, avec un point, tu sortais ça, alors ça, les jeunes étaient là, tu mets ta pièce, tu tapes, ça s'écrase, tu l'enlèves, tu mets ta pièce, tu tapes, ça s'écrase. Et alors attention, j'étais payé à la pièce, c'est-à-dire comment, au rendement, quoi. Mais c'était pas à l'heure. J'arrivais à faire 5 francs de l'heure, alors qu'un ouvrier qualifié, un ajusteur de précision, il gagnait 3 francs 50. Alors quand ils ont vu ça, alors il y en a un qui avait laissé son doigt avant moi. Parce que tac, tac, hop, hop. J'ai fait beaucoup de sport, la prof, qu'à 77 ans, ça va encore pas mal. Hein. J'ai fait surtout du rugby. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et rugby, et vive le rugby. Elle m'appelait Brice Fer, ma tante. Parce que, alors, on courait, les genoux écorchés et tout. D'abord, maintenant, j'ai mal à un genou droit, à force de tomber par terre sur les cailloux. Puis j'aimais le sport. Je courais, j'étais tracé très vite. Je courais très vite sur le 100 mètres et tout. Et le sport, est-ce que toi, tu le voyais comme une façon de t'affirmer aussi par rapport aux copains? Non, c'est un défoulement. C'était l'occasion, peut-être de m'éprouver, puis j'avais peur, de maîtriser ma peur, parce que parmi nous, il y en avait un, Speyer, il s'appelait. Il pesait 80 kilos, et nous, on pesait 40 kilos, 45 kilos. On se mettait à deux ou trois pour l'arrêter. On prenait des coups. Non, mais c'est l'école de... Moi, je trouve que c'est bien, le sport, je défends le sport, vive le sport. La vélo-révolution. Alors, j'ai fait les demandes, rempli des papiers, puis j'étais... accepté. Et nous sommes partis tous les deux à Brest le 3 avril 1928, je me rappelle très bien. Et alors là, je dévorais, et quand je suis rentré dans la marine, je pesais 50 kilos, je mesurais 1m58, je crois. Et en 4 mois, 5 mois, je grossis 2,5 kg, malgré le sport et tout. Et puis, parce que j'allais pour aller voir l'Urabio, il y avait le corée de patates, alors j'allais au corée de patates, tout le monde n'était pas obligé. J'avais du supplément. Alors c'était presque la première fois que tu pouvais manger à ta faim. Et ah oui, vraiment, là j'ai grossi, je mangeais comme un ogre. Alors là, tous les copains, ils avaient de l'argent, ma tante m'en envoyait pas, on ne touchait pas un sou là. C'était... Et alors je voyais les copains boire de la limonade et tout, puis moi je buvais de la flotte. C'était déjà pas la joie quand même. Et le reste que des gens... Une chose, c'est que j'ai réappris à lire et à écrire, parce qu'il y avait des cours d'orthographe. Alors là, ça m'a... parce que j'ai oublié. Alors là, j'ai réappris. Parce que jusqu'à... quand j'avais de m'engager dans la marine, j'étais ignare, quoi. J'étais pas analphabète, mais presque, je lisais pas. Je lisais rien, j'étais le putain abruti, quoi. Le bon abruti classique, quoi. J'ai fait les cours de radiotélégraphie. Je suis devenu radiotélégraphiste de marine. Télé-radi, télé-radi, ça fait ça. SOS, tu sais ce que c'est, SOS? S et 3 points, ça fait tit, tit, tit. Oh, trois traits. Ta 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 ti 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 ta 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 ti 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 ti. On appelle ça lire au son. Le bidel, comme on appelle, comme tu dirais, le commissaire du bord, il m'a pris en grippe parce que je répondais un peu, parce que je faisais un peu le malin peut-être, bon fantaisie, des conneries, retourner de permission. Alors j'ai passé le conseil de discipline. Ils m'ont cassé, c'est-à-dire j'étais plus radio. Alors, comme j'étais cassé, j'étais débarqué sur un bateau discipline, le cuirassé Lorraine. Et là, j'en ai bavé, et là, j'ai failli être envoyé aux sections spéciales à Calvi, comme une espèce de biribi. C'était les fortes têtes, alors que finalement, j'étais pas une forte tête, mais je me faisais respecter, parce que tout le monde était en culte, excuse-moi l'expression. Ah oui. Parce que les gars qui... moi, le sexe, ça ne me tourmentait pas, mais il y en a, ça les tourmentait. Alors, une fois, je me battais pas pour... Je me faisais respecter. Les durs, pour moi, il n'y en avait pas. Alors, j'étais classé parmi les durs, mais je n'étais pas un dur. Un jour, sur la plage avant, le bateau, le Lorraine, ils étaient en train de jouer au quart, je ne sais pas. J'étais sur la chaîne, la grosse chaîne. Puis alors, il bougeait tout le temps, je sais pas, il y en a un qui type, il était tatoué, c'est un dur. Alors, je lui dis, tu peux pas, arrête-toi de tourner, je sais pas quoi. T'es pas content, je t'emmerde. Alors, bon. Non, si tu ne faisais pas respecter,
D'abord, le mot con, ça n'existait pas. Le type à qui on disait con, il acceptait, c'était pas un homme. Oui, alors en sortant de là, forcément, tu étais devenu... Une brute. Une brute. Oui, et puis alors je dois dire même, je l'avoue, j'ai fait la mise en l'air d'un PD, parce que quand on sortait en bordée, on cassait des trucs, on battait à coups de table à Toulon, on était comme des fauves. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, et nous nous serons morts, mon frère. Les soldats troubadours, connaissez-nous ? Les soldats troubadours, l'armée au musée, l'armée ! C'est toi qui as décidé de partir de la marine ou tu avais fini ton contrat ? Ah non, j'ai fini mon temps. Tu avais fini ton temps. Les 5 ans. Et tu as décidé de ne pas continuer. Ah ben, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais mauvais marin. À Marseille, quand je reviens de passer quelques jours à Annecy, je dis, je vais essayer d'embarquer sur un bateau de commerce. Manque de peau, c'était la crise. C'était la crise mondiale. Ah, les retombées de Wall Street 28. Alors, je cherche du boulot. Donc dans les années 1934. C'était 33, là. C'était 33. 1933. Fin 33. Alors j'allais sur la Joliette pour embâcher comme docker la crise. Ils engageaient que ceux qui étaient pères de famille et syndicaux, et surtout les pères de famille. Alors moi, je crevais la dalle. Alors j'ai couché à l'armée du salut, de l'armée du salaud. J'ai mangé à la soupe populaire. Enfin, tout ça, c'est pas drôle. Et puis un jour, dans un bistrot, et là, j'ai failli devenir délinquant. Puisqu'une fois même, je disais, je suis rentré dans... J'ai été voir au commissariat, puis j'ai dit, voilà, aux flics, j'aurais dit, écoutez, je n'ai pas à manger, je ne sais pas où coucher, vous ne pouvez pas me trouver du travail. Il dit, nous, on n'est pas un asile, un bureau de placement. Ben, je serai obligé de voler pour manger. Eh bien, on t'arrêtera. La vie, c'est rien, c'est tout. C'est absurde, c'est abstrait, il faut concrétiser l'abstrait. Donc donner un sens à notre existence qui est brève et périlleuse en faisant des choses, pas simplement à la vie, ne doit pas s'écouler à manger, boire, dormir, faire un peu l'amour. Remarquez, quand c'est bien fait, c'est pas mal, c'est pas contre. Mais enfin, il y a quand même autre chose, il y a la solidarité, la gentillesse, la tendresse. Alors, finalement, j'ai trouvé du boulot à Nice comme veilleur de nuit, alors c'était l'hôtel Rochambeau. Alors, quelle aventure! Alors, je faisais la nuit et le jour. Et là, la nuit, on sonnait, donc je donnais le cordon, les gens. Je dormais pas beaucoup. Je faisais les chambres, les lits avec une femme de chambre. Je faisais tout, et j'avais une heure ou deux de repos l'après-midi, c'est tout. C'était infernal. J'ai jeté ma veste, puis je suis parti. Alors, j'ai tout bureau de placement. Alors, tout de suite, j'étais engagé à l'hôtel Vastoria, rue d'Antibes. Là, j'étais nourri, logé, j'avais 450 francs par mois. Tout bénef. Mais alors là, c'était assez... Alors, c'était pas compliqué. Je portais des plats, le plateau, au chef de rang. Et alors, un jour sur quatre, je faisais la garde. Le reste, j'allais me baigner. J'étais bronzé, j'étais con comme un balai, mais j'étais bien bronzé. Comme un pan pour draguer les filles, puis je ne sais pas draguer, j'étais con. Alors un jour, c'est ce qui m'a un peu dépanné, point de vue sexuel, c'est que j'étais en train de me baigner, puis j'étais me reposer sur la plage. À côté de moi, il y a une nana qui pleurait. Moi, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Je pense qu'elle était belle ou pas belle. On m'a volé mon argent, on m'a volé mon sac. Quoi? Alors moi, je viens de toucher ma paye. Je lui file, à l'époque, 50 balles, ça fait comme maintenant 50 francs. 5000 francs anciens, ou peut-être 100 francs, peut-être 100 francs. Et puis alors, elle me dit, je regagne Paris, elle était vendeuse dans un marchand de chaussures, elle habitait dans Montmartre. Tout d'un coup, elle déboule. Elle arrive comme ça, à l'hôtel, alors là, au paddock, et c'est elle qui m'a vraiment initié. Elle avait beaucoup d'argent, et puis dans tout le monde.
J'étais à la soupe populaire, une fois ou deux, alors là. Oh, je manquais d'air. À Cannes, alors, là, oui. À Cannes. Là, je manquais d'air, parce que comme j'avais dragué des filles sur la plage et tout, il y en a qui m'ont vu à la queue de... Grandeur et décadence. Pas grandeur, mais enfin, excuse-moi. À côté. Petite... La petite... En bas de l'échelle. Au-dessous, sous les... Sous le... Sous les... Sous les pavés à la plage, tu parles, mon cul. Oui, parce que c'est dur, quand même, d'aller à la source populaire. Oh, on perd sa dignité, là. Ah, ben, tu parles. Ah, ben oui, c'est terrible. Je me rappelle d'un geste qui n'était pas tellement chrétien de la part d'un curé de Cannes. J'avais dû lui demander, quand je crevais la dalle, il m'a donné une pièce de 50 centimes. 10 sous, je crois. 10 sous. Genre, maintenant, je traverserai à travers la figure. Alors là, tout ce qu'on nous a appris, le tâté, tu aimeras ton prochain, tu aimeras. Tout ça, c'est baliverne, c'est rien du tout, ça veut rien dire. Le 24 août, j'étais comme garçon de restaurant, en hôtel à Châtel-Guyon, et j'ai gagné le gros lot, comme on dit, puisque j'étais mobilisé, un des premiers, numéro 4, facile. Alors, parti, pas la fleur au fusil, non, mais enfin, on nous faisait croire que cette guerre durerait que quelques jours, quelques mois, elle a duré quand même 4 ans. Voilà. Alors là, c'est assez terrible. Alors j'étais mobilisé. Et à l'époque, tu n'étais pas antimilitariste. Ah, j'étais rien. Ah, j'étais le parfait pecno, quoi. Fleur au fusil, tambour, bâton, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a. Dans sa musette, son bâton de maréchal. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu. À la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui va guère aux amoureux. Les Italiens nous ont attaqués. C'était presque la fin de la guerre. Et alors, l'adjudant me dit, Dupont, il faut porter ce télégramme, ce message, au Charmex, en bas, au PC. Il y a 6 km, sous les bombardements. Alors, oh, la peur. Tu te rends compte ? La trouille. Il faisait beau le printemps. Mais je lui dis, mais pourquoi je suis radiotélégraphiste ? Il y a une estafette, tu vas aller porter ça. Il y avait des motards, tu vois. Non, c'est un ordre. Il voulait me faire buter, quoi. Il m'a ouvert à la bouche. Mais je dis, mais écoutez, je crois que je dois être accompagné. D'accord. On est parti à deux. Alors, la trouille. Quand tu penses, tu imagines, toi, la nature en fait, les fleurs, tout ça, et tu entends des éclats, des explosions, les obus qui tombaient sur Modane, il y a eu des morts quand même, mais pas beaucoup, quelques-uns, et les arbres déchiquetés. Mais tu dis, mais je vais crever, je vais mourir. Et l'armistice s'était signé quelques jours après. Puis alors, l'idiotie de la guerre, c'est d'abord la guerre qui a le plus vif. Hein, telle connerie, la guerre, Prévert le disait très bien. Alors, quand l'armistice a sonné, on était voir les Italiens qui étaient perchés sur les montagnes, qui voulaient nous. Mais on les a massacrés avec des canons, parce que c'est un fort. Hein. Alors, on tire à l'armée. Alors, 75, on a parlé avec eux, ils ont perdu beaucoup de personnes. Alors, on dit, allez, vous êtes allés jusqu'à Chambéry, l'arme à la bretelle, tu parles. C'est l'absurdité, la guerre, c'est on ne peut pas imaginer, la plus grande connerie, c'est la barbarie quand on pense qu'on est mort encore ces actes de barbarie. Puis vous en tuez, hop, couvert de merdaille, les généraux Bijard, Massu, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? J'ai tué des gens. Combien? Oh, quelques milliers, bravo, décoré. C'est pas absurde ça. Alors là, on était démobilisés, et j'ai pris dans le train, on est arrivé à la gare de l'Est. On l'a vu de Paris, occupé par les Allemands, là, ça fait un choc. Alors oui, alors là, j'ai fait un truc. J'avais un copain qui était marchand de 4 saisons
au terme. Il me vend un sac de carottes de 30 kilos. Je me suis farci le sac de 30 kilos des ternes aux Invalides. Et je détaillais ça. Il fallait pour manger. La faim. Je vais au bureau de placement, rue des Jeuneurs. J'y passe devant. Jeuneurs. Dans le deuxième, à côté de la... ça donne dans la rue Montmartre. Je me présente. Alors, tous les jours, il n'y a pas beaucoup de boulot. Puis un beau jour, le gars, il était dans son... Il ouvre la petite fenêtre, il dit, il y a une place pour... restaurant, dans le restaurant Chénic, avenue de la Grave, 69. Bar-restaurant. Vous faites le bar et la... Moi, j'arrive là-bas, c'était tenu par des Corses. Des truands. Le type, il me dit, ici, tu ne gagneras pas beaucoup. 1000 à 200 francs. 1000 à 1200 francs par jour. Et c'était vrai. Et c'est comme ça que j'ai pu faire quelques économies. Je suis resté 2 mois. Alors, c'était tous les... C'était le gratin des trafiquants, j'en bavais, je faisais 15 heures, je rentrais, j'ai pas de vélo, je rentrais à pied, j'ai maigri de 3, 4 ou 5 kilos en 2 mois. Je me suis fait virer, pourquoi? Je vire ma gueule encore un coup. Alors là, je suis tombé sans boulot, et c'est là que j'ai rencontré le maître d'hôtel avec qui j'ai travaillé au Périgord quelques mois auparavant, Dominique Carnigno. Et alors on voulait, il me dit, tiens Dupont, moi je voudrais m'établir. Et si tu veux, on pourrait être associé. Moi je pense que je suis associé. En baladant, j'ai toujours un peu l'idée de fouiner. Je vois un peu 4 rue du Mail, une espèce de crème richaude. Alors je rentre là, puis je dis au bonhomme, on m'a dit que vous vouliez mettre en gérance. Au flanc. Dis non, je suis vendeur. Quoi? Un mois après, on était dans les meubles. Alors que moi j'avais travaillé chez Nick et que j'avais eu des relations avec des gens bourrés de pognon, on dit qu'est-ce qu'on va faire comme prix? Moi je vous dis tout, hein. Je dis tout exactement, je ne vais pas mentir. 400 francs, 500 francs, par repas. Mais attention, il y avait tout. Langouste. Filet de bœuf, un autre pour les... Ils ont conservé la viande dans le couloir, dans une caisse, une caisse avec de la glace dessus. Tu peux pas savoir. Hop, en fiacre, chez Dupont. Alors là, on gagnait de l'argent. On a fait une recette, le record c'était 40 000 balles. Et quand je pensais que des gens faisaient la queue pour avoir un kilo de topinambour ou des trucs, et que moi, je mangeais ce que je voulais. Oui, je me disais, parce qu'on se liloque, je me disais, oui, mais quand tu crevais la dalle, en 34, 35, quand tu couchais dehors, quand tu mangeais au restaurant de la table qui recule, il y en a qui mangeaient bien, et moi, alors, juste on retire des choses. Et bien, si je me lâche, je me rappelle. Il est bon, le saumon, oui. Et Mouna, il est pas bon. On a été refermé encore un mois et demi, pour toujours, par le contrôle économique, on servait de la viande des jours interdits. Alors nous aurions pu être protégés en adhérant au PPF de Doriot, qui collaborait avec les Allemands. Ah, je dis non. Dominique, il ne savait pas, il s'en foutait. Lui. Alors je dis non, je ne vais pas adhérer, tant pis, il arrivera ce qui est arrivé. Et puis alors, ce qui est arrivé, un jour, contrôle économique, hop, récidive. On les a achetés. On leur a filé un paquet, je ne sais pas combien, mais un drôle de paxon. Au lieu d'augmenter la dose de 3 mois à 6 mois, on a eu un mois et demi de fermeture. Comme quoi, l'argent, acheté. Tout s'achète. Goa, amour, échec, sang, coréen, corps et tête, tout s'achète. Toujours, à plat ventre le poète. Chapeau bas, courbé la tête. Roi, soldat, jugé, savant, à genoux devant la tête. C'est un extrait d'un poème de Raymond Asseau. À la Libération, je suis allé aux barricades. C'est là que j'ai participé à la construction d'une barricade en 44 pour la Libération de Paris. Et on ne savait pas qu'on risquait d'être flingué parce que les tanks allemands sont arrivés quelques minutes après. Alors là, il n'y a pas tellement de volontaires, hein. Attention, on n'était pas des milliers. Ça ne se bousculait pas. Alors, rue du Mail, par contre, tout le monde est sorti des trucs dans les caves, des matelas, des sommiers, des vieilles armoires et tout. Puis ce qui me touchait, c'était ces FFI qui partent foulard
sur les tractions avant qui après faisaient buter. Ils rencontraient un tank. Il y a eu beaucoup de morts. D'abord, on les plaque, on voit les plaques dans Paris ici. Et pas mal de policiers, il faut dire que les flics, c'était les premiers à se révolter. C'était les premiers qui ont. La cité, ils en ont pris. Beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Je ne peux pas être anti-flic. C'est pas parce qu'il y en a des brebis galeuses parmi eux que je vais condamner tous les poulets. Non, il y a des flics qui sont capables de faire des bonnes actions. Ah oui, j'ai gardé des documents aussi. Je ne l'ai pas dit ça encore. Car j'avais rencontré dans le métro une femme, puis alors je faisais la propagande pour mon restaurant. Et cette femme vient avec son mari une fois ou deux. Elle habitait au Bois de Boulogne, rencontre Anne Dufoche. Puis un jour, elle arrive affolée, elle me dit mon père est arrêté par les Allemands, j'ai les documents de mon père, et j'ai peur que la Gestapo vienne faire une descente. Alors elle me dit, vous ne voudriez pas venir les chercher? Ce serait maintenant, j'hésiterais. Avec mon vélo, me la partie. Alors j'avais un vélo là. Je vais là-bas. Et je mets ça dans ma sacoche. Il y avait des contrôles dans Paris. Un appartement, on pourrait arrêter. J'arrive. Chez moi, 4 du mat, dis donc, c'était des papiers qui venaient d'être parachutés de Londres. Où on mettait les noms des gars à supprimer. Des collabos, des miliciens qui se torturaient les résistants. La libération est arrivée, j'ai porté ça au comité local de libération. La mairie du 2e arrondissement, je leur porte ça. Oh, mais c'est bien. Oui, le président du comité, il s'appelle Tollet, il est toujours président. Il me dit, on va te donner la carte des FFI, de résistant. Quoi? Mais je suis pas résistant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est naturel. Mais tu te rends compte? Mais si tu avais été pris, tu serais pas là. Tu aurais été déporté. Tu serais pas revenu, peut-être, comme les autres. Pas beaucoup. Bon, je n'ai pas voulu faire pas de carte. Et puis alors là, il faut que j'explique comment j'ai adhéré au PC. Alors ma femme, j'étais divorcé, j'avais... Donc là, tu vivais avec Riri, là. Voilà. Quand De Gaulle a descendu les Champs-Élysées, elle me dit, qu'est-ce qu'on... je lui dis, on va aller voir défiler De Gaulle. Elle dit, quoi? Toi? J'ai qu'un nom comme ça, De Gaulle, non. Parce que t'es révolutionnaire. Alors, nous, on allait sur Grand Boulevard. Alors, tu vois, dans la rue du Mail, il n'y avait qu'un drapeau soviétique qu'elle avait fait elle-même. Tous les autres, français, américains, anglais, elle me dit tout. C'est pas normal. Alors une grande femme, 1m72, habillée en blanc. Elle a pris, avec son drapeau. Cocardier. On arrive au Richedreau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je verrai toujours devant le cardinal, une table, adhérer au Parti communiste, adhérer au Parti des fusillés, des 75 000 fusillés. Mais je regarde, les immeubles, pas un drapeau soviétique. Mais je dis, mais et Stalingrad et les 20 millions massacrés, comme on apprend maintenant. Je dis, allez, on adhère. Elle adhère avec moi. C'est l'injustice qui m'a poussé à... D'abord, c'est l'injustice qui m'a poussé, qu'aucune n'a me poussé à gueuler, gueule ou crève, comme a trouvé la formule de Anne Galois. Et l'on a vu de beau sang, c'est un terre, sang d'ouvriers. Ou sont de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres ne meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, Batamsit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a de la vie, il y pousse du raisin qui boit de ce vin-là, voir un sang. Des copains, les barbares, les sauvages! J'ai lu même le Capital, mais en rigolant, mais non. Je dis le Capital de Karl Marx Brothers. J'ai fait le porte à porte. Je vendais comme les bonnes sœurs. Déjà à l'époque, j'avais des réflexions. Parce que tout le monde n'était pas coco. Il y a les anticommunistes. Par exemple, les locataires de bonne foi, rue Montorgueil, c'est là que j'ai commencé à prendre la première fois à prendre la parole. Ils s'étaient organisés. Locataires de bonne foi. Écoute bien, ça consistait à... Ils avaient occupé des appartements de personnes déportées, la plupart des juifs, et ils s'étaient accaparés ça. Et quand les rescapés, quand même, il y en a, tout le monde n'est pas heureusement pas passé par la cheminée là-bas, ils ont voulu reprendre leur appartement. Et ils ne pouvaient pas, on ne voulait pas. Alors moi, je disais aux marchands de 4 saisons qui avaient occupé, ben vous êtes des belles garces, ou des trucs comme ça. Et alors, attention, s'il y avait des clients boursiers qui venaient manger chez moi,
Et il y en a quelques-uns qui viennent. Il y en a un qui me dit, Monsieur Dupont, pourquoi vous faites de la politique? On n'ira plus manger chez vous. Ben, je voudrais où vous voudrez. Et puis en effet, quand est-ce que ce centre du fric, le Vaudor, sera transformé en une maison de la culture, par exemple? Puis alors c'est là que je veux dire que nous sommes descendus à Antibes, où son père était avec son fils, et c'est là on a acheté cette petite pension qui est devenue de 46 à 52 l'établissement que nous dirigeons tous les deux. La poche est dégotée, n'est peut-être pas une beauté, mais ce qui plaît c'est son autorité. C'est elle qui ordonne, c'est elle qui est patronne, c'est moi qu'elle fait marcher. Elle faisait une soupe de poisson merveilleuse, une recette à elle, que on s'en est chez les babouines, comme on dit. Puisqu'une fois une cliente est venue pendant plusieurs fois de Monaco en voiture sport. L'hiver, on a beaucoup, très peu de clients, parce que pour la bonne raison, c'est que je militais au PC. Je suis devenu secrétaire de la cellule en plus. Et je collais les affiches, j'exposais les panneaux au mur sur le machin, je vendais le journal La Terre, le journal des paysans communistes. Alors là. Apte à tous les exercices, et c'est l'anglais communiste, et comme l'anglais est sous-protectiste. Et c'est en auto, et c'est conduit en auto, et faut l'avoir sur sa torpedo. C'est elle qui pilote, c'est elle qui capote, c'est moi qui se met sous gaz. Vous n'êtes pas dans les mains. Et un jour, alors, avec ma compagne, Riri, dans la cuisine, c'est là que ça débute. On s'est chamaillé, à qui ça n'arrive pas. Hein? On n'a pas fait voler les assiettes ni les couteaux, mais quand même, elle m'a. Je sais pas pour. Je l'enviolais de temps en temps, c'est vrai, j'étais un peu macho, je le dis. Je reconnais que je n'ai pas toujours été très gentil avec elle, il faut le dire, on connaît mes erreurs, je fais l'autocritique, comme on dit les cocos. Alors, elle me donnait un coup de cuillère en bois sur la tête dans la cuisine. Moi, je lui donne une petite gifle. Elle me balance la soupière de poisson. Alors là, j'ai filé une gifle de toute. Alors là, j'ai tapé fort. Alors, elle a eu l'œil au beurre noir, tu vois, avec le paume de la main. Et ses parents ont été dire ça aux particuliers. Tout le monde, soi-disant, tout le monde, ça a rejailli sur une partie. Oh là là, la catastrophe, oui. Dupont, c'est une brute et tout. C'est elle qui picole, c'est elle qui rigole. Et moi, quel air d'un couillon. Bon, je croyais donc que je doutais de l'existence de Dieu. Le PC, donc, j'y croyais plus. J'y croyais plus, il m'avait écarté. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a, j'avais 39 ans. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? En face des pompes funèbres, c'était en 51. Alors je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Aguigui, agogo, aguigui, agogo, aguigui, agogo, aguigui, agogo, agaga, aguigui, agogo. Tiens, je me marre. Aguigui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais la perception directe. Mouna est venu comme ça. Aguigui, Mouna. Merde. Alors, c'est là que j'ai commencé. Le lendemain, je vais faire mes achats. J'avais encore deux, trois pensionnaires. Je suis à la boucherie. Alors en arrivant, je fais « Mouna, Mouna !» Il y avait 4 ans qui me servaient, ils étaient surpris. La bouchère me dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Sur les morceaux de viande, à l'époque, il y avait des écriteaux « Je suis tendre », tu vois. Elle me dit, elle me donne l'écriteau, elle me met sur en viande ma veste. Et je vais faire mes achats. Oh, les marchands, « Ah oh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Deux jours après, la bouchère me donne un kimono avec un couffin. Et le couffin, quand je bougeais, il m'arrivait là. Alors, place nationale, devant la côte de la boucherie, j'étais habillé comme ça. Et alors, je n'osais pas parler, je ne faisais pas de discours encore. Mais quand même, il y a deux, trois personnes intriguées qui viennent vers moi. Et il y a une femme qui me dit, est-ce que vous donnez des consultations particulières? Je dis alors là. Là, c'est là. Ils ne comprennent pas que c'est le.
Et alors, les gosses me suivaient parce qu'ils voyaient que j'étais déguisé. Alors, ma femme, un jour, ma compagne me dit, tu sais, Thérèse, la poissonnière, elle m'a dit, qu'est-ce qui arrive à ton mari? On croyait qu'on était mariés. Il devient fou. Je lui ai répondu, non, il rend fou les autres. La prochaine fois avec l'oreille. Avec les pieds, c'est rien. Alors j'ai commencé donc sur les plaintes du bar, pas la salle du restaurant, c'était toujours impeccable. J'ai écrit les slogans. Tout est bien ici bas, la tête en bas. Vous êtes un laidron, vous êtes joli garçon. Les jeux sont faits plus rien, c'est tout du baratin. Et je continue à le dire. Blablabla. Bla, bla, bla. Hein? Alors, les clients commençaient à se marrer. Je me déguisais, je déguisais les clients. Des clients m'ont appris des choses. C'est-à-dire que quand ils ont vu que j'avais changé brusquement, de gars sérieux, j'étais bien l'amuseur et tout, il y a des gens, une cliente par exemple, qui me disait « Mais monsieur, vous avez lu l'éloge de la folie d'Erasme ?» Moi, je n'avais rien lu. J'ai acheté l'éloge de la folie d'Erasme, que j'ai là. Manuement, c'était le Voltaire hollandais. Et puis après, lui, il m'a donné le bouquin de « L'existentialiste est un humaniste » que j'ai fait relier, qui est là aussi. Alors là, ça a fait que ce que j'avais trouvé, me suis senti fortifié par des courants de pensée qui allaient dans sans le vouloir, j'avais trouvé je faisais du surréalisme sans le savoir, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et puis il y en a, alors, sont dans un état. Hein. Or, ceux qui sont comme ça, alors, c'est vraiment que je les ai lus, ceux-là. Ceux-là, je les ai vraiment. Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Ce que je crois. J'ai pris des notes, tu vois, je l'ai lu, celui-là. N'appartenant à aucun système, n'étant inféodé à aucune doctrine, comme moi, hein. En vieillissant, comme le disait très bien Jean-Rosson, on perd l'illusion. Alors ça, je l'ai lu et relu et relu. J'aurais passé la vie d'une façon effarée. Florilège des ballades françaises. Alors il y a le petit cheval blanc, il y a les gars autour du monde, la ronde autour du monde, enfin tous les meilleurs. D'abord, Brassens s'est inspiré, le petit cheval blanc, il a chanté, Brassens. Bon, ça c'est des... Alors il y a un peu de tout, hein. Là, au hasard, je prends ça, tiens, voilà. Là, Jean Carroll, je vivrai l'amour des autres, mais ça, je ne l'ai pas vu. Alors ça, je l'ai lu. Kerouac, Clochard Céleste, ça, c'est bon. C'était le papa des beatniks, des hippies.